Super, je suis vraiment heureux de t'accueillir là pour cette émission, Tintamarre. Je suis ravie aussi. Alors comment ça se passe là pour ce concert de ce soir ? Les gens sont super, c'est un public qui est très chaleureux, puis la salle est, je trouve, assez intimiste, et j'adore moi cette petite salle. Et, D'accord. C'est pas mon premier concert que je fais ici, et à chaque fois, voilà, ça me met plein d'émotions. D'accord. Alors contact avec le public, pas évident parce que le public est vraiment à côté, là, proche, donc pour établir contact, du début à la fin, ça va ? Après, oui, c'est sûr que c'est toujours intimidant un petit peu, mais bon, après, ça fait partie du jeu d'artiste aussi. Il faut arriver à la mener vers soi, à la mener dans son univers, et puis... Super. Et l'inviter, tout simplement. Bon, alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas ton projet, alors, ça fait depuis combien de temps que tu es en gestation des compositions, tu joues, tu les évoques sur scène ? Alors, moi, en fait, j'ai toujours fait un petit peu de musique, hein, ça, il faut le savoir. J'ai commencé à composer, en fait, à la guitare en anglais, donc ça, j'avais 18 ans. Et en fait, c'est depuis un an et demi maintenant que je fais des compositions en fait vraiment en français et que je m'oriente sur un projet totalement en français. D'accord, super. Donc t'écris, paroles, c'est ça. Musique. C'est ça. Bon, après, une bien sûr, complète, voilà, en fait, complète, hein. Mais après voilà, pas j'ai des aides en fait. Précieuses pour faire des arrangements, bien D'accord. évidemment. Ouais, t'es entouré d'une équipe quand même oui, qui t'aide sûr. Pour driver. À... Donc là, ce soir, on te découvre seul, mais il peut y avoir aussi une équipe de musiciens. Il va peut-être t'entourer sur d'autres projets, sur scène ou autre. Ah oui, en fait. C'est vrai que si le projet évolue, moi je compte bien après avoir une formule un peu plus construite avec une orchestration un peu plus conséquente qui se rapproche en fait vraiment de l'EP que je suis en train de réaliser. D'accord, donc tu es en train de réaliser un EP. Oui. Peux-tu me parler un petit peu de combien de titres ? C'est un EP 6 titres. 6 titres, oui. Donc enregistré dans la région là. Oui, donc au studio des tables, studio en Ardèche. Voilà, avec l'aide de David Granier et puis Fabien Salzi. Fabien Salzi, ouais. Donc l'ingé son. Ingénieur du son. Donc alors justement, par rapport à cet EP qui est en enregistrement, vous avez un petit peu une projection de date de sortie, promotion. Oui, donc ça va se faire après la rentrée, plus au mois d'octobre, je pense, voilà. Super. Donc bah, écoute, on va te laisser rejoindre la scène pour découvrir deux nouveaux titres de ton répertoire. Allez, et on se retrouve parti. Juste après. À tout de suite. Merci. C'est comme les mecs, il paraît. Mais quand
On se retrouve là juste après ces deux nouveaux titres, super, hein, avec au niveau texte et tout ça, vraiment on sent un travail quand même qui commence à s'affirmer, une maturité. Ça fait depuis longtemps donc que tu écris, tu disais que tu avais démarré à 18 ans, c'est ça? Oui, mais j'ai démarré en anglais. En anglais, ouais. Ah ouais, donc là c'est... Donc rien à voir avec ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui. Après disons que c'est vrai qu'avec le temps, je pense que mon projet il a évolué en même temps que moi. D'accord. Il a pris de la maturité tout comme moi. Et d'accord. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui j'assume beaucoup plus mes textes. Et c'est pour ça aussi que j'écris en français. D'accord, super. Vous nous expliquez un petit peu là, au niveau de ton projet,
aussi pour le développement, tout ça, comme les financements. Est-ce qu'il y a des plans qui commencent un peu à se dessiner là pour grandir un petit peu Bah, c'est vrai que là, c'est le tout début en fait. C'est vraiment la naissance d'un projet. Donc pour l'instant, il n'y a pas énormément de financement en fait voilà, pour le lancement. Mais j'envisage de me mettre sur My Major Company. C'est un label participatif. Voilà. D'accord, qui a vu émerger Irma, par voilà, exemple. Voilà, Jonathan, Grégoire, etc. D'accord, tout à fait. Donc l'enjeu là, pour le coup, c'est d'avoir une visibilité. Ça permet d'avoir une visibilité et puis moi ça me permet aussi de pouvoir construire davantage mon projet, de pouvoir surtout le finaliser quoi, de l'aboutir clairement. D'accord. Parce qu'après je pense que la finalisation d'un EP ou même d'un album, de toute façon, voilà, c'est il faut du financement pour de toute c'est façon. Du financement, donc, tout à fait. Tu peux nous parler un petit peu plus de l'équipe qui t'entoure, alors quel rôle ils ont dans ton projet? Alors je travaille avec David Granier, qui est mon manager. Manager, ah voilà, d'accord, mais t'as quand même une équipe là, qui commence à... Oui, qui, voilà, c'est vraiment une aide, un soutien très, très, très précieux. D'accord. Alors justement, pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude, le manager, c'est quoi son rôle avec toi et à fortiori pour un artiste? Après, c'est vraiment... J'arriverai pas à déterminer ou à mettre les choses dans les cases parce que pour moi, c'est vraiment en fait un continuum quoi. Ils m'aident vraiment à la création, ils m'orientent dans mes choix et ils me soutiennent dans, enfin comment dire, dans l'esthétique de mon projet, vraiment ce qui me correspond. Il va m'aider. Les directrices, il arrive à te guider, te mettre sur des rails. À me mettre sur des rails, d'accord. Exactement. Et puis voilà, il me donne des clés aussi sur comment ça se passe, l'univers de la musique, etc. Il a vraiment un rôle très très important quoi. D'accord. Donc toi, ça t'aide quand même, c'est ah oui, précieux. C'est vraiment un très très bon soutien. Prochainement, on pourra te retrouver non sur scène, je sais pas, par la fête de la musique ou enfin... Oui, pour la fête de la musique à La Roche-de-Glun. La Roche-de-Glun, oui. Super. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. Je te souhaite une belle longue route, en tout cas dans la musique, beaucoup. Avec ces merveilleuses compositions. Donc bah, je vais te laisser rejoindre la scène. Merci. Alors pour nos téléspectateurs, vous retrouverez dans un mois pour découvrir un nouvel artiste, qui sait, à Quai de Seine ou ailleurs, nous verrons. Hein. En tout cas, merci à toute l'équipe de Quai de Seine. C'était Tintamarre pour Drum Ardèche TV. Merci beaucoup Marion. Merci. Je vous propose de rejoindre. À très bientôt. Je suis un vrai pilote.
www.drumardèche.tv.